endroit où vous trouvez. Et on va peut-être patienter juste encore quelques secondes pour permettre aux gens de joindre. Je vais voir combien nous avons cliqué. On a 36. On va attendre avec un peu de patience, quelques secondes, pour permettre à ceux qui sont en train de passer en train de passer d'une réunion à une autre, pour qu'ils puissent nous joindre et ne pas rater le début de la session. Et je demande votre indulgence pour quelques secondes encore. At 8:02, à 8h02, on va commencer. OK, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Et merci d'avoir usé de votre temps pour venir partager vos questions et venir nous écouter. Ce webinaire est intitulé Améliorer la qualité des données sur le paludisme pour améliorer la programmation de la lutte contre le paludisme. Il s'agit de leçons tirées des expériences du Mali, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire dans l'adoption et la mise en œuvre de l'outil MRDQA. La qualité des données est essentielle pour asseoir auprès des décideurs une confiance afin qu'on améliore la prestation de services. Ceci est particulièrement important pour le programme de lutte contre le paludisme qui représente un des plus gros fardeaux dans le pays et où le ciblage des interventions est essentiel pour garantir l'efficacité des programmes. Cet outil d'évaluation de la qualité des données en routine prend en charge les évaluations ciblées et rapides, avec une possibilité de suivi de la qualité des données dans le temps. Et sans plus tarder, on va passer aux aspects logistiques pour faciliter la communication. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. En termes de disponibilité, ce webinaire est offert non seulement en français, mais également en anglais. Et pour accéder et à l'audio français, vous devez rester sur là où vous êtes, l'accès principal. Si vous écoutez ce webinaire en anglais, cliquez l'icône interprétation et choisissez la langue anglaise dans le menu déroulant. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. L'audio est partagé via le haut-parleur ou le casque de votre ordinateur. Si vous n'entendez pas l'audio, assurez-vous que votre ordinateur est activé et que le volume est ajusté. Et cliquez sur l'icône à droite, à côté du paramètre audio pour changer le haut-parleur si c'est le cas. Aussi, soyez avisé que si vous rencontrez des problèmes d'audio, envoyez-nous un message dans la boîte de discussion qui va apparaître plus bas. Prochaine diapositive. Vous avez ici deux boxes, un box questions et réponses, un autre box pour les discussions. Pour poser une question sur la logistique, veuillez utiliser la boîte du chat. Cliquez sur l'icône chat dans votre barre d'outils inférieure pour l'utiliser à droite. Quand il s'agit de poser une question sur le contenu des présentations,
Veuillez utiliser la boîte de questions-réponses qui est à gauche, voyez l'icône Q&A dans votre barre d'outils inférieure. Okay? N'hésitez pas au fur et à mesure de poser les questions et dans la mesure du possible, les panélistes essayant de les reprendre en direct et quand ce n'est pas le cas, on répondra en vidéo. Cela nous amène à la diapositive suivante qui présente la vision et les objectifs du projet CHISE. Comme vous le savez, c'est un projet financé par l'USAID où on a plusieurs partenaires. La vision est la suivante, c'est que dans les pays où nous travaillons, nous voulons que toutes les parties prenantes à tous les niveaux puissent avoir accès aux données de haute qualité générées par sources de données multiples et interopérables, et que les gens soient en mesure d'utiliser ces données, non seulement pour orienter les politiques, améliorer l'allocation des ressources, mais également pour améliorer la prestation des services et la performance des systèmes. Et pour cela, le projet Next Diapo, le projet a quatre objectifs stratégiques. Le premier est le renforcement de la gouvernance et l'amélioration de l'environnement pour le rendre plus favorable pour le système d'information sanitaire des pays d'accueil. Le deuxième objectif, c'est améliorer la disponibilité et les possibilités d'échange des données dans le système d'information sanitaire pour que les décisions puissent être prises sur un ensemble de données beaucoup plus cohérent. Le troisième objectif, c'est l'amélioration de la demande et de l'utilisation accrue des données et de l'information pour répondre aux priorités et aux défis en matière de santé. Et le dernier, l'un des moindres, c'est le renforcement et le développement organisationnel des partenaires locaux dans une perspective de durabilité des interventions au terme de l'existence de CHISE. Voilà, next. OK. Ce webinaire sera modéré par moi-même. Mon nom, c'est Ali Moubari. Je suis le responsable de la gouvernance au niveau du projet CHISE. Et je suis chargé de modérer ce webinaire aujourd'hui, qui est dans une série de webinaires. On a eu un premier webinaire sur l'intégration du secteur privé dans le système d'information et son impact sur la gestion des données de paludisme. Et ce deuxième est autour de la qualité des données. Et je vais vous présenter nos panélistes. Et je vais commencer par Docteur Madina Kouyaté. Docteur Madina Kouyaté est médecin, titulaire d'un diplôme de l'école de médecine de Stavropol en Russie. Elle a plus de 25 années d'expérience dans la gestion des programmes auprès des ONG non seulement nationales, mais également des ONG internationales opérant aux différents niveaux du système de santé. Elle a été coordinatrice d'ONG dans la région de Ségou et chef des soins médicaux de l'unité sectorielle contre le sida au ministère de la Santé du Mali. Elle a, pour faire court, hein, elle a également été conseillère système d'information sanitaire pour le projet Measure Evaluation au Mali et connaît très bien les partenaires du CIS grâce à son travail avec MRH et MATA. Bon. Docteur Kouyaté est actuellement la conseillère résidente de Chissou au Mali et coordonne les activités de technologie de l'information, Global Health Security et PMI, ainsi que les responsables financiers. Et pour finir, elle est membre de l'Ordre national des médecins du Mali. Bien vouloir accueillir Docteur Le second est Dr Nouman Diakité. Nouman Diakité est médecin, diplômé d'études supérieures en santé. Il a également une maîtrise en santé publique. Il occupe le poste de responsable de suivi et évaluation du programme national de lutte contre le paludisme en Guinée. Ses compétences se résument autour de la gestion des programmes, le suivi, évaluation et planification, le système d'information, leadership gouvernement
économie de la santé et géographie dans le secteur de la santé. Docteur Bachili vient du Mali. Ça veut dire qu'on aura deux présentateurs du Mali. Il est médecin de santé publique, spécialiste en épidémiologie. Il occupe le poste de conseiller technique chargé du paludisme pour le projet CHIZU au Mali. Et il joue un rôle clé dans la mise en œuvre des activités de surveillance du programme national de lutte contre le paludisme. Il a aussi accompagné la digitalisation des outils de collecte des données, notamment à travers le DHSE, et participe activement à la formation des responsables nationaux sur ces systèmes. Et il a eu une expérience avant avec PSI. Et ses compétences techniques tournent autour de l'analyse des données, la gestion des projets et la recherche biostatistique. Et le dernier intervenant, c'est Monsieur Kouassi Eugène Eba. Il vient de Côte d'Ivoire. Il est titulaire d'une maîtrise en statistiques et gère les composantes de suivi et évaluation des projets du programme. Il est spécialiste en suivi et évaluation, la recherche, l'analyse et l'utilisation des données. Il a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la santé publique, notamment en santé communautaire, paludisme, VIH, nutrition, family planning et santé sexuelle et reproductive. Et depuis mai 2023, il travaille pour le projet CHIZU après une transition entre Major Malaria et CHIZU. Donc, c'était la description rapide de nos invités. Vous voyez que nous avons un panel assez riche. Et sur ce, je vais passer la parole à Madina Kouyaté, qui va introduire l'expérience du Mali et passer le message à son collègue Bachili et quand elle aura introduit le sujet. Merci à vous, Madina. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, bon après-midi, bonsoir pour certains. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, docteur Barry, pour cette belle introduction. Et donc, comme docteur du Mali, donc mon collègue Bachili et moi-même, donc à deux, nous allons faire cette présentation. Et donc, nous allons partager l'expérience du Mali sur la digitalisation de l'outil MR du QI. OK, merci. Et slides, please. Nous allons nous entretenir suivant ce plan. Dans un premier temps, le contexte, nous allons vous décrire le contexte. Ensuite, les défis, les solutions que nous avons proposées à ces défis, le processus. Et donc, cette première partie, va être présentée par moi-même. Et ensuite, les résultats, les prochaines étapes et la conclusion, vont être présentées par mon collègue, Dr. Bachili. Slide, s'il vous plaît. Par rapport au contexte, un progrès significatif dans la lutte contre le paludisme au Mali a été observé ces 10 dernières années grâce à l'intensification, à l'utilisation massive des outils pour prévenir, détecter et prendre en charge la maladie donc qui est le paludisme. Cependant, il existe toujours des besoins de renforcement du système d'information sanitaire. Surtout aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la digitalisation. Bien vrai qu'au Mali, nous avons utilisé depuis 2016 l'outil, le logiciel DHR2, donc du niveau central jusqu'au niveau communautaire, et donc, c'est-à-dire au niveau CSCOM et même jusqu'au niveau ASC, c'est-à-dire les agents de santé communautaire. Et donc, mais avec tout ça, il y a toujours des besoins par rapport au renforcement du système d'information sanitaire.
Par ailleurs, l'importance des données de qualité pour la prise de décision n'est plus à démontrer. Nous savons tous que les données de qualité permettent de prendre une bonne décision. Malheureusement, si les données ne sont pas de bonne qualité, donc la prise de décision va être biaisée. Je voudrais, par rapport à l'utilisation de cet outil, faire un petit peu d'historique au Mali. Nous avons commencé d'abord par l'utilisation de l'outil RDQI en 2015. Et cette activité, en son temps, avait été appuyée par le projet Measure Evaluation et appuyée, bien sûr, par Dr. Barry, aujourd'hui présent, et aussi Dave Boone. Et ensuite, cet outil, c'était en fait utilisé juste pour le système d'information sanitaire, donc HMIS. Ensuite, ça a été adapté à la surveillance et au PALU. Et ensuite, de l'outil et qui a reçu en fait un prix à Oslo. Et c'est quand on a vu tout ça, et tout de suite, nous sommes dit que c'est une très bonne chose puisque ça va faciliter les choses, nous, à notre niveau, dans l'utilisation de l'outil. Et c'est comme ça, nous avons mis dans notre plan de travail en 2023 la digitalisation de l'outil MRDQI. Donc, on n'a plus, en fait, depuis 2023, quand on a commencé le processus, nous avons carrément laissé le fichier Excel. Slide, s'il vous plaît. Quels étaient les défis en son temps? Les défis qu'on avait, c'était beaucoup plus des défis de partage des données de supervision avec les acteurs, puisque les données étaient uniquement au niveau des superviseurs qui partaient sur le terrain et collectaient les données. Et donc, les fichiers Excel, malheureusement, n'étaient pas partagés. Donc, tout le monde n'avait pas accès. Il y avait également un problème d'archivage des données de supervision. Et surtout quand on perdait, par exemple, l'ordinateur ou suite aussi à une panne d'ordinateur. Et donc, il y avait des soucis. Et donc, on ne pouvait plus, en tout cas, récupérer souvent les données collectées. Et cela impactait beaucoup le suivi dans le temps, puisque pour pouvoir comparer les données de supervision, il faut avoir les anciennes données et comparer ces données-là maintenant aux données actuelles qu'on collecte sur le terrain. Diapo, là, s'il vous plaît, merci. Et donc, qu'est-ce qu'on a proposé comme solution? C'était vraiment la digitalisation de l'outil MRDQI dans le DHR2 national et aussi la formation des acteurs. Parce qu'une chose, c'est de digitaliser l'outil, mais l'autre aspect aussi, c'est de former les acteurs dans l'utilisation de l'outil. Et ça, c'est pérenne. C'est ce qui va être pérenne, bien sûr. Et aussi la collaboration avec le PNLP pour mettre en œuvre des activités de supervision via l'outil digitalisé. Slide, s'il vous plaît. Oui, alors, par rapport au processus, nous avons d'abord procédé au paramétrage de l'outil MRDQI dans le DHF2 test de la base d'Oslo. Nous avons d'abord paramétré ça. Et pour ce paramétrage, nous avons été appuyés à distance par l'équipe du siège. Et aujourd'hui, je profite de cette occasion pour vraiment saluer Djaou Diallo, Dave Boone et Ali Moubari, qui nous ont vraiment aidés, en tout cas, à être aujourd'hui à ces niveaux-là. Donc, on a été aidés vraiment dans le paramétrage à distance. Donc, comme on a un informaticien conseiller en TIC dans l'équipe, et il a été suivi, assisté à distance, donc dans le paramétrage de l'outil MRDQI. Dans le DHF2 pour un départ, comme je l'ai dit, sur la plateforme test d'Oslo. Ensuite, nous avons procédé à des tests
Et ensuite, nous avons présenté cette version paramétrée aux parties prenantes, donc pour recueillir leur feedback. Après avoir recueilli les feedbacks auprès des différents participants, donc il y avait PMI, il y avait PNLP, il y avait la Direction générale de la santé, il y avait la cellule de planification, il y avait les partenaires, etc. Donc, beaucoup ont fait leur feedback pour pouvoir, en tout cas, nous aider à améliorer l'outil. Et donc, après avoir pris en compte tous ces feedbacks, nous avons organisé des séances de travail avec le super administrateur de la DGS, donc de la Direction générale de la santé, pour le déploiement maintenant de l'outil sur la plateforme nationale des HME du Mali. Parce que, en fait, nous, notre informaticien n'a pas un accès d'hyper-admin sur le DHS2 national. Et donc, on a tenu comme ça des séances de travail avec le super-admin de la Direction générale de la santé, Diapo. Oui, donc, après, nous avons, après cette étape, donc, pour aller à la formation et même à la mise en œuvre, La campagne de vaccination est ouverte. Donc, nous avons élaboré après des thèmes de référence et partagé TDR avec toutes les parties prenantes, planifié les voyages, les missions de formation et aussi de mise en œuvre sur le terrain. Mais avant d'aller aux missions, nous avons d'abord tenu aussi 2 jours de réunion avec les facilitateurs du PNLP, donc du Programme national de lutte, pour leur montrer davantage d'outils pour qu'ils puissent maîtriser avant l'étape terrain, donc avant l'étape de la formation même, comme ils sont facilitateurs. Et c'est après qu'on a planifié les voyages et puis maintenant pour la formation. Pendant la formation, en fait, la durée, c'était 3 jours. 2 jours de théorie, donc pour exposer les différents modules de l'application, et un jour de phase pratique et sur le terrain. Donc, toute la matinée, ils font la pratique sur le terrain. Nous avons, ensemble avec le PNLP, sélectionné des centres de santé et communautaires et des centres de santé de référence. Et nous avons fait une répartition des participants. Et donc, pour pouvoir recueillir les feedbacks, tout ça. Et maintenant, ça, c'était le matin du 3e jour. Et dans l'après-midi, nous avons maintenant organisé la session plénière avec l'ensemble des participants pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les difficultés rencontrées. Et nous avons continué comme ça à améliorer l'outil. Slide, s'il vous plaît. OK, donc il y a mon collègue, Dr. Bachili, qui va continuer. Bachili, nous sommes ensemble. Il avait juste Oui, quelques alors, petits soucis nous en avec sommes son là. appareil. C'est bon maintenant? OK, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madina, de m'avoir introduit. Et aussi, à la suite de Madina, donc après les différentes étapes, nous venons au résultat. Et donc, comme premier résultat au Mali, c'est la disponibilité d'un pool de formateurs et d'utilisateurs formés à la mise en œuvre de la supervision MRDQE via l'outil digitalisé. 154 participants formés, dont 40 femmes et 114 hommes du niveau central, régional, 6 régions en tout et 41 districts. Diapositive, please. Nous avons réalisé des supervisions dans 6 régions, 17 districts, dont 3 CSCOM par district, ce qui fait 51 CSCOM. Aussi, les données de supervision intégrées dans le DHSU national, accessibles à tous les utilisateurs, comme Madina l'avait dit, c'était l'une des faiblesses du MRDQE qui était mise en place au niveau du Mali, la non-disponibilité des données, uniquement que les acteurs ayant participé à l'activité. D'autres acteurs au niveau national ou central, ou d'autres partenaires ne pouvaient pas avoir accès aux données
excepté le fichier Excel, si le fichier Excel était partagé. Diapositive, please. Et comme résultat, donc ici, vous voyez les résultats de la complétude et promptitude des RMA de la période évaluée par formation sanitaire. Et donc ici, pratiquement, on va dire que le CSCOM de Tourella, le CSRF de Tomia ont une complétude, une promptitude à 100%. Mais par contre, au niveau du CSCOM de Sanec, vous voyez que la complétude est en deçà du seuil minimum. La promptitude aussi qui est autour de 66,7. Donc, il montre un souci de rapportage à temps au niveau du CSCOM de Sanecu. Diapositive, please. Et ici, c'est le pourcentage des patients avec les données manquantes. Au niveau des structures ici, vous voyez que pratiquement, vers un témoin d'augmenter un peu le truc ici pour que j'ai une large vision. Donc, on a environ autour de 6, 3, quelques ici, mais c'est Sanocu qui a assez de patients dont il y avait au minimum une information manquante dans le registre. Donc, c'est-à-dire ici, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec le MFDQ, c'est que dans le registre, nous comptons pour chaque patient certains éléments clés. Pour voir si ces éléments clés-là sont bien renseignés dans le registre. Et donc, c'était le CSCOM de Sanocu qui avait un fort taux de patients qui avaient des données manquantes. Diapositive, please. Alors, ici, ce sont les vérifications qui ont été faites avec les données de la source primaire, qui est le registre, comparées aux informations qui ont été mises dans le rapport mensuel d'activité et comparé avec les données du DHS2 national, donc rapportées au niveau du pays. À noter que ici, avant les premières mises en œuvre avec l'application, le RMA était comparé au registre. Le DHS2 aussi était comparé au registre. Donc, ce qui faisait que les deux sources, le RMA, rapport mensuel d'activité, le DHS2, étaient tous comparés au registre. Mais avec les corrections qui ont été faites plus tard, le RMA, il est désormais comparé au registre et le DHS2 est comparé au RMA. Donc, ici, vous remarquez que pour l'indicateur 1, qui est le nombre de cas suspects des enfants inférieurs à 5 ans qui ont été testés au TDR ou à la goutte épaisse, le facteur de vérification est autour de 1. On ne sent pas trop la différence, mais les données brutes nous donnent qu'au niveau du registre, on avait 405 enfants de moins de 5 ans. Au niveau du RMI et du DHS2, 400-400. Et donc, ce qui fait que vous avez une petite. Vous voyez ça autour de 1, comme si le facteur de vérification était à 1, mais je pense que c'est légèrement un peu au-dessus de 1. Alors, quant à l'indicateur 2, qui est le nombre de cas d'enfants inférieurs à 5 ans confirmés de paludisme grave qui a été traité selon la politique nationale, là-bas, au niveau du registre, nous avions compté 6, alors qu'au niveau du RMA, on avait 27. Et attendez-vous bien, au niveau du DHS2, on se retrouve avec 161. Donc, ce qui faisait qu'on se retrouvait avec un surrapportage dans le RMA et un surrapportage au niveau du DHS2. Et c'était principalement dû au mois d'octobre, où pour deux cas que nous avons vus dans le registre, il y a 136 qui ont été mentionnés dans le DHS2. Alors, pour l'indicateur 3, qui est le nombre de femmes enceintes ayant reçu la SP3, là-bas, dans le registre, nous avions compté 141 femmes, alors que dans le RMA et le DHS2, 101. Et ce qui fait que là-bas, nous sommes en sous-rapportage. Ne soyez pas induits en erreur par le fait que nous sommes au-dessus de 1. Toute valeur au-dessus de 1 veut dire que c'est un sous-rapportage. Et donc, les données qui sont en deçà de 1, le facteur de vérification, quand c'est en deçà de 1, ce qui veut dire que nous sommes en sous-rapportage en ce moment. Et donc, les raisons qui ont été évoquées, c'est ce que vous voyez ici au niveau du tableau à côté avec les couleurs. Donc, c'était principalement des erreurs arithmétiques, des erreurs de transcription qui ont été les raisons
pratiquement évoquées, principalement évoquées. Diapositive, please. Au niveau du CESCOM de Farakoro, là, nous avions les vérifications croisées. 1, 2, 3. La vérification croisée consiste pour le 1 à compter le nombre d'enfants ou le nombre de patients, c'est-à-dire environ 10 cas au niveau du registre à qui on a donné un examen laboratoire et aller les compter au niveau du registre laboratoire. L'une des faiblesses que vous allez voir, que nous allons citer après, c'est que pour les formations sanitaires qui n'ont pas de labo, il était difficile, il n'y avait pas la possibilité de mettre non applicable. Donc, pour les formations sanitaires dont nous n'avions pas de données vu qu'ils n'avaient pas de labo, nous étions obligés de mettre 10-10 pour ne pas les pénaliser. Et donc, ce qui explique que ici, au niveau du CESCOM de Farakoro, nous avons un là-bas, mais ils n'ont pas de labo. C'est juste une précision par rapport à cette vérification croisée 1. Pour la vérification croisée 2, c'est là qu'on prend aussi là-bas, on compte 10 patients au niveau du registre et on va chercher les ordonnances au niveau de la pharmacie. Et donc là-bas, pour cette vérification croisée, nous avions compté 6 patients dans le registre. Nous avions retrouvé 7. Non, nous avions compté 7 dans le registre, mais par contre, nous n'avions trouvé que 6 ordonnances. Pour la vérification croisée 3, là, c'est les patients à qui la CTA a été donnée. Et donc là-bas, attendez-vous, nous avions compté 7 dans le registre, mais 31 sortis au niveau de la pharmacie, ce qui montre carrément des soucis de la qualité des données au niveau du CESCOM de Farakou. Donc, pour la cohérence dans le temps, ça, c'est le nombre d'enfants ayant reçu la moustiquaire au cours de la vaccination. Et donc, là, on voit que la cohérence dans le temps ne varie pas. On va dire que la variation n'est pas très grande. Je pense que elle est assez bonne, la cohérence. Donc, pour la performance et la préparation des rapports à fournir des données de qualité au niveau du CESCOM de Farakoro, en ce moment, vous voyez qu'on a pratiquement l'évaluation du système autour de 50%, mais les autres sont autour de 100%, 100%. Et donc, le pourcentage des données manquantes, c'est ce qui est situé ici, que nous avons vu dans le slide précédent. Diapositive, please. Et donc là, c'est un autre graphique par rapport à la concordance du nombre de femmes enceintes ayant reçu, donc l'indicateur 3 de femmes enceintes ayant reçu la SP3. Donc là, l'image que vous voyez ici, elle est issue du DHS2. Les deux autres images, c'était au niveau, c'est des images issues de l'application, donc c'est-à-dire au niveau de l'Android que nous avions pris. Donc ça, c'est la partie tableau de bord de l'application où nous avons eu ces données. Et par contre, ici, c'est les données au niveau du DISH2 dont les données de la supervision sont envoyées directement au niveau de ce DISH2-là. Donc, pratiquement, là-bas, on va dire que chacun, au niveau du CCR de Fana, de Farakoro, de Korokoro, sont au niveau de la marge acceptable. Mais par contre, au niveau de Zantigla, à Fana, nous avons un sous-rapportage. Et ce sous-rapportage pourrait s'expliquer par le fait que nous avions compté 56 dans le registre, 56 femmes enceintes, ayant reçu 3 doses de SPO plus. Par contre, dans le RMA et le DISH2, c'est 34 qui ont été mentionnés. Et donc, un sous-rapportage, c'est des pertes de données pour le pays. Diapositive, please. Alors, les prochaines étapes. Elles sont issues aussi des faiblesses que nous avions constatées, c'est-à-dire qu'au niveau de l'application, nous avons un tableau de suivi des recommandations. Cependant, ce tableau de suivi des recommandations n'est pas accessible sur le DISH2, donc elle reste simplement au niveau de l'application. Donc, notre recommandation, ce serait
ce serait d'envoyer ce tableau de recommandation au niveau de DIJDE national pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Et c'est l'appui aux formations des régions de CAI-SICASO, financées par d'autres partenaires, parce que les régions de mise en œuvre de CHISO ne regroupent pas CAI et SICASO. Et d'autres partenaires ont été formés et ils disent qu'ils vont mettre l'utilisation de cette application au niveau de ces régions-là. Donc, la poursuite des supervisions par CHISO et autres partenaires, CRS, PMI, CRS Fonds mondial et Kenya Sisi Wallé. Diapositive, please. Prochaine étape, c'est la prise en compte des nouveaux feedbacks. Il y a des feedbacks qui nous ont été donnés en rapport avec le terrain. C'est la question V5 ou la question posée, est-ce que la structure a connu une rupture? En répondant non, elle considère cela comme une faiblesse. Donc, c'est un peu dans les paramétrages. Et c'est de considérer le non comme étant une qualité et non plutôt une faiblesse. Et aussi, ajuster les délais de mise en œuvre des recommandations qui ne prennent en compte que la date du jour. Donc, si on veut mettre une date le 6 décembre, par exemple, non, ça ne prend pas ça. Ça va prendre simplement la date du jour. Ils permettent, comme prochaine étape, c'est permettre l'option non applicable pour les formations sanitaires qui n'ont pas de laboratoire, comme j'avais cité plus haut. Diapositive, please. En conclusion, le déploiement et l'utilisation régulière du MEDQ digitalisé ont permis au PNLP non seulement d'accéder via le DHS Tool à toutes les données des supervisions MRDQE, mais aussi de les archiver. L'archivage des données de supervision ouvre une opportunité de suivre les progrès réalisés dans le temps. Et enfin, l'appropriation progressive de l'outil et de la démarche permettra au PNLP la maîtrise parfaite de l'outil et de l'approche pour rehausser le niveau de la qualité des données pour favoriser la prise de décision basée sur les évidences. Diapositive, please. Sur ce, je vous dis merci. Thanks. OK, merci l'équipe du Mali. Je voulais juste préciser ici que le Mali, il l'a dit tantôt, n'a pas eu d'appui direct, face to face. Ils ont été appuyés à distance et l'équipe technique a pu faire le paramétrage en relation avec et le programme PALU et le système d'information. Pour réussir ce travail extraordinaire d'avoir des pôles de formateurs au niveau pays, plus de 154 personnes formées et déjà près de 17 districts, je crois 17 districts qui ont bénéficié des supervisions. Et je pense que c'est un excellent travail. On passe à la prochaine présentation. Et je voulais rappeler à l'audience de bien vouloir poser des questions dans le box Q&A. Pour qu'on puisse répondre. Quelques questions arrivent, mais on aimerait bien en avoir plus. Merci bien. Et Diakité, vous avez la parole pour présenter l'expérience de la Guinée. Bonjour à tous, ou disons rebonjour, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent actuellement. Donc, je vais présenter l'expérience de la Guinée sur l'implémentation de l'outil Malaria Data Quality Assessment. La Guinée est à son début, donc pour vous présenter cette expérience. Nous avons initié ce plan suivant. Nous allons vous parler un peu du contexte dans lequel la Guinée s'est vraiment intéressée à ça, le processus d'adoption, les défis que nous avons rencontrés pendant ce processus et les recommandations que nous souhaitons avoir des appuis pour, n'est-ce pas, mettre en place ou en tout cas Yakité, tu peux couper ta caméra pour essayer d'améliorer.
L'audio. Une conclusion que nous allons vous lire à la fin. Diapo. Diapo. OK, merci. Sur le plan du contexte, la Guinée, à l'instar de plusieurs pays, le paludisme reste un problème majeur de santé publique. C'est la première cause de consultation et hospitalisation, n'est-ce pas, dans notre pays. Et comme vous le voyez, on a, n'est-ce pas, un diagramme tout à fait à votre droite pour un peu parler là où nous avons quitté et où nous sommes aujourd'hui. C'est pour vous dire que la Guinée vient de loin. Donc, nous avons suspecté 4,9 millions de cas de paludisme, n'est-ce pas, en 2023, avec 2 millions 4 confirmés. Nous avons fait assez de progrès au fil des années. Nous avons réduit la prévalence du paludisme de 44% à 17%, 2012 à 2022. Et le diagnostic parasitologique du paludisme a été amélioré de 64% en 2015 à 90% en 2022. Les décès hospitaliers sont passés de 5 321 en 2012 à 1 271 en 2023. Nous avons reçu plusieurs renforcements de capacités. Il y a le paquet d'activités des différentes stratégies développées par le programme qui ont bénéficié de renforcements. La prévention, la prise en charge, des stratégies de soutien comme la gestion des approvisionnements et des stocks, le suivi et évaluation, la communication, voilà, etc., même le partenariat. Le profil épidémiologique du paludisme en Guinée actuellement, c'est que nous avons 15 districts sanitaires qui ont une haute transmission du paludisme. C'est que le paludisme est transmis de façon, n'est-ce pas, se transmet très vite dans ces zones-là. Et il y a 18 districts sanitaires à faible transmission et moins risque de transmission du moins. Il y a la zone spéciale de Conakry qui est, n'est-ce pas, en préélimination du paludisme avec 1%. Donc, il y a 20 districts sanitaires avec une transmission saisonnière du paludisme. Dans ces districts, nous développons la stratégie de chimioprévention du paludisme saisonnier. Et il y a 6 districts où la transmission vraiment est pérenne. Ça, c'est la région de la forêt. Diapo. Dans ce contexte, la Guinée avait des problèmes de gestion des données. Donc, elle a jugé nécessaire de disposer d'une plateforme nationale qui va s'occuper de la gestion des données afin que les planifications, les prises de décision par les autorités à tous bords, n'est-ce pas, se fasse de façon, n'est-ce pas, sans problème, disons. Donc, c'est ainsi que la plateforme DHSD a été implémentée en 2017 et la mise en place de ce dispositif a nettement amélioré, n'est-ce pas, et la qualité des données d'une manière générale parce que on avait vraiment un problème de gestion des données. Et lorsque cet outil a été mis en place, on s'est rendu compte que les autres dimensions de la qualité des données, notamment l'incomplétude, l'exactitude, la redondance et l'incohérence, les formats non standards et les défauts de promptitude n'étaient pas. On avait encore des problèmes.
Donc, il fallait réfléchir, trouver des voies et moyens pour que ces éléments dont je viens de citer, qui sont vraiment la qualité des données, soient résolus. Donc, on s'est dit que ces insuffisances sont vraiment imputables au problème de gestion des données, c'est-à-dire que le traitement, la collecte, le traitement et l'analyse, l'interprétation des données. Alors, c'est ce qui sous-entendait que ces qualités de données ne sont pas encore, cette dimension de la qualité des données n'était pas encore bien maîtrisée par les acteurs qui sont impliqués dans la gestion des données, surtout au niveau périphérique, surtout les producteurs de données qui sont dans les formations sanitaires. Donc, face à cette situation, le ministère, à travers le programme, n'est-ce pas, a cherché à se doter des données de bonne qualité pour la prise de décision. Donc, ça, c'est une décision qui est venue, n'est-ce pas, en commun accord avec le CNIS, parce que le CNIS, c'est le patron des données. Donc, tout ce qu'on fait, on le discute avec le CNIS pour leur permettre aussi de faire profiter les autres programmes de l'expérience du programme PALI. Diapo. Alors, c'est en ce moment que nous avons eu des contacts avec CISU, l'USAID à travers CISU, qui, après les discussions, on a bénéficié son appui direct, l'appui direct du siège de CISU, qui nous a aidés tout dans un premier temps à faire la planification parce qu'ils avaient donné l'accord qu'ils sont prêts à appuyer la Guinée pour implémenter ou mettre en place cet outil. Donc, ils nous ont aidés à planifier la mise en œuvre de cette activité, c'est-à-dire l'implémentation. Et en ce moment, il y a eu des réunions pour discuter sur le budget, les TDR et le budget d'une formation qui était planifiée. Donc, ensemble, ils ont fait des observations et puis on a validé ce budget. Après, ils ont fait le déplacement pour venir, n'est-ce pas, former l'équipe de la Guinée. Ça, c'était une chance. Ils sont venus directement nous appuyer. Donc, nous, on s'est dit que vraiment, on a de la chance. Et pendant cette formation, l'équipe de programme était largement représentée. Il y avait toute l'équipe de suivi et évaluation et d'autres départements. Parce que c'est un outil qu'on a vu que c'est intéressant. Il y avait aussi le système national d'information sanitaire qui était lourdement représenté avec toutes ces équipes, même au niveau régional. Il y a des conseillers régionaux du CNIS, qu'on appelle ici les gestionnaires de données, qui étaient largement là. Les partenaires techniques aussi, financiers du programme PALU, du CNIS, en fait, qui nous accompagnent dans la lutte contre la maladie, était aussi présent. Il s'agissait de RTI, CRS, PMI, avec certains agents d'exécution de l'USAID comme notre santé, le projet GHPSM, qu'on appelle Chemonix. Donc, ils étaient vraiment là et on a bénéficié de cette formation directe avec deux techniciens. Hein, bien avertis, qui sont venus discuter avec nous à vive voix pour faire cette formation. Diapo. OK. Donc, nous avons fait au cours de cette formation le paramétrage de l'outil dans les tablettes, disons, et les téléphones smartphones. Et nous avons fait la formation. Ils nous ont formés de façon théorique et pratique, hein, et on a fait la saisie des données à travers des séances de, comment dirais-je, d'application, de tests, et puis on a généré des visuels pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Donc, c'était vraiment intéressant.
Diapo. Bon, c'est pendant ce processus que on a commencé à se poser des questions. Aujourd'hui, la Guinée a des données, c'est vrai. Le DSS2, la saisie s'est faite correctement. On reçoit les données du dernier district. Ça, il n'y a pas de problème. Mais, en tout cas, que ce soit le SUNIS, que ce soit nous, programme PALI et d'autres programmes, la question se pose. Oui, on a les données, mais ces données-là souffrent de qualité. C'est en ce moment, on a commencé à dire, bon, on a implémenté l'outil, nous avons trouvé que c'est très intéressant. Alors, comment disposer, n'est-ce pas, un document sur l'assurance qualité, qu'on appelle ici un plan de l'assurance qualité des données. Donc, ce plan, il ne s'agit pas de l'élaborer, mais comment est-ce qu'on peut l'avoir et mettre à la disposition de tous, surtout les utilisateurs au niveau opérationnel? La deuxième question qu'on s'est posée, comment est-ce qu'on peut, une fois que l'outil là, parce qu'on a vu son importance, comment on peut l'utiliser de façon pérenne pour continuer à améliorer la qualité des données à tous les niveaux? C'est-à-dire, même une simple formation sanitaire ou un simple, un district, hein, un district, ça peut être une formation sanitaire. Parce qu'ils ont aussi des zones d'intervention. S'il est outillé à l'utilisation de cet outil, qu'il puisse, lors d'une supervision ou bien une visite de terrain, il va, il l'applique, parce qu'il a vu qu'il y a des problèmes de qualité de données, et puis voilà, il prend des décisions sur la base des résultats qu'il a obtenus. Et la troisième question ou défi qu'on s'est posé, une chose est d'avoir un plan d'assurance qualité. Avoir l'outil qui est paramétré dans les machines, des téléphones, pour l'utiliser, mais comment avoir un financement pérenne pour continuer à faire, en tout cas, l'analyse ou de la qualité des données à travers des supervisions, des visites de terrain, comme le CIJU existe dans certains pays aujourd'hui. La Guinée aussi souhaite, n'est-ce pas, faire comme ça, c'est-à-dire qu'il y ait un projet qui va nous appuyer dans un premier temps sur une période où on va asseoir la culture de la qualité des données à tous les niveaux. Diapo. Docteur Diakité, vous avez très peu de temps, hein, pour conclure. D'accord. À la suite de tout ça, on a fait des recommandations, appuyé, n'est-ce pas, l'élaboration de plans d'assurance qualité. Appuyer la formation, n'est-ce pas, au niveau des 38 districts sanitaires sur l'outil, la formation des responsables des formations sanitaires sur l'utilisation de l'outil, l'organisation des supervisions périodiques avec l'outil dans les formations sanitaires à problème, appuyer, n'est-ce pas, le financement de la Guinée pour assurer la mise en œuvre pérenne des activités de l'outil MRDQ. Et l'opérationnalisation des maîtres du QI dans le contrôle de la qualité des données. Diapo. En conclusion, donc la Guinée étant au début du processus, donc on a eu la chance d'avoir le contact direct avec deux techniciens venus de CIJU pour nous appuyer à implémenter, n'est-ce pas, MRDQ en Guinée. La formation, en ce moment qu'on a assoit une base solide de formation. Le SUNIS était présent, le programme était là, Paludisme avec les conseillers régionaux du SUNIS, tous les partenaires étaient dans cette formation et un plan d'action à moyen terme a été défini qui sera bientôt déroulé avec l'appui de l'USAID à travers 6 jours. Le World Plan d'ailleurs, de CIJU a été approuvé avec l'USAID. Donc, puisqu'on n'a pas fait une supervision, donc on s'apprête avec le reste du processus à aller sur le terrain et déployer l'outil pour, n'est-ce pas, asseoir la culture de la qualité des données dans, n'est-ce pas, les prochains jours. Le plan
Le plan d'action de suivi prendra en compte du démarrage des activités de supervision avec MRDQ et le développement du plan d'assurance qualité. Diapo. Voilà, je vous remercie. On attend vos questions. OK, merci, docteur Diakité. Sans tarder, on passe la parole à Kwasi Ejen pour présenter l'expérience de Côte d'Ivoire. Kwasi, essaye de tenir dans les 20 prochaines minutes pour qu'on ait au moins 10 à 15 minutes de questions. Merci. OK, merci, docteur Barry. Bonjour à tout le monde. Au nom du docteur Raïm Kébé, représentant résident de Côte d'Ivoire, chez SOU, et également de toute son équipe, j'ai le signe honneur de partager l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de digitalisation de l'outil MRDQI pour l'amélioration de la qualité des données. Diapo, s'il vous plaît. Notre présentation s'articulera autour d'un contexte. Nous reviendrons sur les objectifs de l'évaluation. Nous aborderons les questions méthodologiques et présenterons quelques résultats aussi bien programmatiques qu'au niveau de la mise en œuvre de la visite de supervision et aborderons quelques difficultés sans oublier de faire quelques recommandations. Diapo, s'il vous plaît. Alors, en contexte, diapo, comme les autres l'ont dit plus tôt, le paludisme en Côte d'Ivoire demeure toujours un problème majeur de santé publique, avec de fortes incidences dans la population générale, notamment encore plus prononcée chez les enfants de moins de 5 ans. Le Programme national de lutte contre le paludisme, à l'instar de l'OMS, s'est inscrit dans cette vision d'élimination du paludisme à l'horizon 2030. Et cela passe par d'énormes défis, parmi lesquels l'épineux problème de la qualité des données. Jusque-là, pour les supervisions de la qualité des données, en Côte d'Ivoire, l'outil qui était utilisé, c'est le fichier Excel. Et comme le Mali le disait tantôt, le problème d'archivage des résultats de ces supervisions posait problème. Et d'où la Côte d'Ivoire a opté pour la digitalisation de cet outil. Et donc, pour répondre à ces questions de qualité des données, Chissou Côte d'Ivoire bénéficie d'un financement de USAID pour vraiment apporter l'assistance au Programme national de lutte contre le paludisme, mais surtout la direction qui se charge de l'information en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la DIS, dans la conduite des missions de contrôle qualité des données. Diapo, s'il vous plaît. Quels sont les objectifs de Chissou? Ce qu'il faut dire en Côte d'Ivoire, l'appui de Chissou au Programme national de lutte contre le paludisme, c'est vrai, est de renforcer la disponibilité, la qualité, mais surtout l'utilisation des données sur le paludisme en vue d'une bonne prise de décision. Diapo. Ah, en Côte d'Ivoire, l'appui de Chissou touche un peu à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Au niveau central, l'ancrage institutionnel part du Programme national de lutte contre le paludisme, mais aussi au niveau de la direction de l'information sanitaire. Et en matière de qualité de données, le PNLP a commis Chissou pour s'attaquer à 20 districts qui sont des sites de démonstration d'amélioration de la qualité. Et ces 20 districts, comme vous pouvez le voir, sont représentés en pointillés jaunes sur la carte de la Côte d'Ivoire, essentiellement l'est de la Côte d'Ivoire et à un degré moindre dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et je suis travaillé avec plusieurs partenaires, parmi lesquels la Direction de la Santé communautaire, le Programme national de lutte contre le paludisme, mais aussi d'autres partenaires comme PSI et aussi CVQDREN dans les interventions de lutte contre le paludisme. Diapo, s'il vous plaît. Comme toute mission de contrôle qualité sur les données, l'objectif majeur, c'est d'améliorer la qualité en vue d'une bonne prise de décision. Diapo. De façon spécifique, quand on conduit les missions de contrôle qualité, c'est d'évaluer la complétude des données, évaluer la promptitude, mais surtout les attitudes des données à travers les différentes sources. Mais c'est aussi d'évaluer si la capacité du système à générer des données de bonne qualité en vue de faire des analyses croisées ou davantage consolider les résultats des analyses de données. Et bien entendu, c'est de formuler des recommandations de façon préventive quant à améliorer la qualité des données et de corriger les faiblesses identifiées. Diapo, s'il vous plaît. Pour l'expérience de la Côte d'Ivoire, quelle méthodologie nous avons adoptée? Cela a passé par plusieurs séances de travail.
D'abord, il fallait engager le niveau national pour s'approprier de cet outil. Donc, d'où il fallait montrer l'importance de la digitalisation de l'outil MEDUQI. Et donc, cette digitalisation a passé d'abord par un test pilote dans deux centres de santé au niveau de la Côte d'Ivoire. Et comme, tout comme le Mali, on a bénéficié d'une assistance technique en ligne avec le siège de Chissou. Et je salue au passage David et Diao qui nous ont beaucoup appuyé, qui ont appuyé l'équipe IT de la Côte d'Ivoire pour paramétrer dans l'essence DHS2 nationale de la Côte d'Ivoire la digitalisation de l'outil MRDQA. Par la suite, comme les autres l'ont dit, signifié, il fallait aussi faire la formation. Et nous avons utilisé plusieurs approches pour la formation, mettre en place un pôle national au niveau central, mais aussi faire des formations en cascade qui touchent au niveau décentralisé, au niveau des districts et au niveau site. Diapo, s'il vous plaît. Et à l'issue des formations, il fallait planifier la supervision. Et comme c'est la première édition de l'utilisation digitalisée de l'outil MEDUQI, il était bon de mettre en place une équipe mixte, composée aussi bien du niveau central, du niveau district et niveau centre de santé, ce qui permettrait de renforcer la formation pratique à l'utilisation de cet outil digitalisé. Et donc, la prochaine étape de ce processus a été le paramétrage même dans les téléphones, dans les smartphones des différentes équipes qui devraient faire des visites sur le terrain. Et donc, l'étape suivante, c'est vraiment de façon pratique la conduite de la visite sur le terrain au niveau des districts sanitaires. Et comme je le disais tantôt, comme c'est la première édition, l'équipe a souhaité d'utiliser les deux outils, c'est-à-dire l'application MRDQI digitalisée, mais aussi le fichier Excel MRDQI, qui jusque-là est utilisé. Diapo, s'il vous plaît. De façon concrète, sur un site, qu'est-ce qui se passait? Il s'agissait pour l'équipe MIS de pouvoir acquérir toutes les sources de données, aussi bien primaires que secondaires, au niveau du site. L'étape suivante, c'était de faire un classement de ces sources de données suivant la période de revue. Et l'exercice, c'est de dépouiller systématiquement ces sources de données primaires et secondaires, y compris le DHS2. Donc, en vue de vérifier la complétude, la promptitude et de vérifier aussi le niveau de remplissage du registre. Diapo, s'il vous plaît. Please, diapo. OK. Et l'autre élément, c'est de calculer les facteurs de vérification. Et comme on le sait, c'est le recomptage dans les outils primaires comparé avec la valeur saisie dans le DHS2 et la valeur qui était mise dans le rapport mensuel d'activité. Et l'autre élément qu'il fallait vérifier, c'est l'adéquation des sources de données en termes de disponibilité de la source de données, la standardisation de ces sources de données, mais aussi est-ce que les outils utilisés, les sources sont à jour. On a regardé aussi dans l'analyse la cohérence des données dans le temps. Et bien évidemment, après ces résultats, il faut partager ces résultats avec les acteurs au niveau site, sous le leadership du district, pour en élaborer un plan d'action d'amélioration de la qualité des données. Et cela aussi passe aussi par un coaching aussi sur site, notamment pour les prestataires qui éprouvent encore des difficultés quant au remplissage des outils de collecte. Et l'autre problème, c'est également le respect des directives nationales de prise en charge de lutte contre le paludisme également. Et bien évidemment, quand c'est possible, de faire les corrections éventuelles des erreurs de la qualité des données au niveau site avec les acteurs eux-mêmes. Diapo, s'il vous plaît. Pour l'exercice de l'année fiscale passée, l'équipe chez Sous-Côte d'Ivoire a pu faire une évaluation de la qualité des données et la période de revue était le dernier trimestre 2023, c'est-à-dire la période octobre, novembre et décembre. Et deux types d'indicateurs ont été choisis par le Programme national de lutte contre le paludisme. Il s'agissait de trois indicateurs au niveau de la prise en charge du palu, notamment les cas suspects de palu, les TDR réalisés et le nombre de palus simples avec prescription de CTA. Et la source de données primaire, c'était de décompter dans le registre de consultation curative
Et la source de données secondaire, c'était de le confronter avec le rapport SIC, mais aussi dans le DHS2. Deux indicateurs de prévention ont été également choisis. C'était les 1 000 dates distribuées aux femmes enceintes venues en consultation prénatale. Et la source est vraiment le cas de distribution de médailles qu'il fallait également confronter dans le rapport SIC, mais aussi dans le DHS2. Et le dernier indicateur, c'est la TPI donnée aux femmes enceintes venues en consultation prénatale. Diapo, please. En matière d'éléments de données qui consistent à vérifier le niveau de remplissage des items du registre, le PNLP a sollicité la date de visite, le nom du client, l'âge, le type de diagnostic, mais également le traitement et le résultat des TDE. Ça, c'est ce qui concerne les éléments de données pour vérifier le niveau de remplissage dans les outils primaires. Diapo, s'il vous plaît. Quels sont les résultats obtenus de cette visite de supervision? Comme l'ont dit nos prédécesseurs, au cours de l'année fiscale, l'équipe de Côte d'Ivoire a pu organiser deux visites de supervision. Et ces deux visites de supervision ont ciblé 63 établissements sanitaires qui sont localisés dans 23 districts ciblés. Et comme nous l'avons dit, le pôle de formateurs qui a été mis en place au niveau central, c'est 8 acteurs. Et pour les 20 districts de démonstration de la qualité, 22 acteurs au niveau décentralisé ont pu être formés à cet outil digitalisé, mais aussi une mise à jour a été faite sur l'utilisation du fichier Excel, MRDQI. Au niveau des centres de santé, c'est 42 gestionnaires de données responsables de centres de santé qui ont pu bénéficier de la formation à l'utilisation de l'outil MRDQI application et le fichier Excel. Diapo, s'il vous plaît. Ici, nous présentons les deux outils des visuels. Ce premier visuel, c'est le fichier Excel que jusque-là, on utilisait. Pour vous montrer un peu les différentes dimensions de la qualité des données en termes de complétude et respect de délai dans la transmission des rapports. Diapo. Ce visuel, c'est toujours également le fichier Excel, le tableau de bord du fichier Excel, qui porte sur les indicateurs et les différents facteurs de vérification. Sur cette diapo, nous avons quatre indicateurs qui présentent par centre de santé le facteur de vérification de trois établissements sanitaires. Et comme je le disais, ça, c'est le fichier Excel, pas encore la version digitalisée. Diapo. Sur cette diapositive, on peut voir comme les étapes de la configuration au sein des téléphones portables, la digitalisation de l'outil MRDQI. Au premier tableau, ce que nous voyons, c'est le choix des indicateurs. Le deuxième, c'est le type d'indicateur que nous choisissons. Au troisième tableau, on voit le choix des raisons des écarts qui pourraient s'immiscer dans la qualité des données. Et le dernier tableau, comme je le disais, toujours pour la configuration dans le smartphone, c'est pour identifier les sources de données dans lesquelles ces indicateurs ont été vérifiés. Donc, cette diapo présente le tableau de bord dans DHS 2 du MRDQI. Et ici, c'est la composante sur la cohérence dans le temps. Donc, c'est juste un visuel pour présenter un peu au niveau national ce qui se trouve dans le DHS 2 par rapport au tableau de bord du MRDQI application. Diapo. Et ici, c'est toujours le tableau de bord pour la dimension sur l'adéquation des sources de données et l'intégrité du système à rapporter des données. Donc, c'est toujours également dans le DHS 2
par rapport à l'outil MRDQI. Diapo, pour cette diapo, c'est au niveau du téléphone portable, du smartphone, pour présenter le tableau de bord. Et l'indicateur que nous regardons ici, c'est la cohérence dans le temps. C'est des visuels pour vous montrer le niveau de désagrégation. De façon concrète, pour les 63 centres de santé qui ont pu bénéficier de cette évaluation de la qualité des données, au niveau de la promptitude, on se rend compte que 91% de ces sites ont un bon niveau de promptitude, ils transmettent dans le temps. Par rapport à la complétude des rapports SIG, qui est une source de ce, seulement, on s'en rend compte que le remplissage oscille autour de 85%, ce qui est en deçà de la norme nationale de complétude de remplissage des rapports. Et donc, il faut adresser ces challenges. Au niveau du registre, outil primaire, quant à la complétude de remplissage, pour les 5 éléments de données que nous avons cités plus tantôt, à savoir la date de visite, l'âge, le nom du client, le traitement, le résultat du test sur le traitement, on voit qu'environ 90% ont été correctement renseignés dans le registre pour ces 5 éléments de données. Et la promptitude pour un district particulier, ici c'est le district d'Agnébi-Le-Cours. Et ce que nous avons voulu montrer ici, au sein d'un centre, au sein d'un district, on visite l'hôpital de référence, en général l'hôpital général ou le CHR, un centre de santé urbain et un centre de santé rural. Sur cette diapo, on se rend compte que les hôpitaux de référence éprouve énormément de problèmes de promptitude, de complétude au niveau des rapports que de complétude au niveau des outils primaires. Au niveau des CSR et des centres de santé rurale et des centres de santé urbains, la complétude de la promptitude tourne autour de 90%. Diapo. Ici, c'est cette diapo présente ici l'adaptation, l'adéquation des sources de données utilisées. Et donc, nous avons les registres, le rapport SIG, mais aussi le cahier de description des MILDA. On se rend compte que sur l'ensemble des 63 sites qui ont fait l'objet de ce contrôle qualité des données, au niveau des registres, la plupart à 75% étaient disponibles. Et bien naturellement, était mise à jour et c'était des versions standards. Au niveau du rapport SIG, environ 89% étaient disponibles et c'était des versions standards et mises à jour. Mais par contre, les cahiers de distribution de MILDA n'étaient pas toujours disponibles au sein des structures que nous avons visitées. Diapo, please. Et ça, c'était. Ça, ici, on a voulu présenter aussi cette répartition aussi par typologie de centres de santé, le niveau des références des hôpitaux, les centres de santé urbains et les centres de santé urbains. Donc, on se rend compte qu'en général, dans les centres de santé, les outils sont pratiquement disponibles à différents degrés, mais la plupart du temps, c'est des versions actualisées et des versions standards. Diapo. Please. Alors, quel était le niveau de l'exactitude des données? Et cela est présenté à travers ce facteur de vérification. Comme le Mali l'a plutôt dit, vous voyez pour les trois premiers indicateurs, les cas suspects de paludisme, les tests réalisés et les paludismes confirmés par CTA, on se rend compte qu'il y a une surestimation des données. Le facteur de vérification autour de 80%, ce qui n'est pas dans l'intervalle acceptable. Ici, vous le voyez dans les flèches en vert. Ça, c'est le niveau acceptable du facteur de vérification. Quand on prend les indicateurs
de prévention qui sont les médias distribués, on voit que ça oscille autour de 95, qui est dans l'intervalle acceptable. Et au niveau des médias distribués en femmes enceintes, globalement, il y a une surestimation de la notification. Diapo, please. Et quand nous prenons un district particulier, en l'occurrence celui de Bondoukou, on constate que les indicateurs qui sont dans l'intervalle, qui ont les facteurs de vérification dans l'intervalle acceptable, c'est essentiellement les indicateurs de prévention, c'est-à-dire le nombre de médias distribués et les femmes enceintes qui ont reçu la troisième dose de la SP. Les indicateurs de prise en charge, qui sont les cas suspects de PALU, les tests réalisés et la confirmation de PALU sain par CTA, n'est-ce pas, sont en deçà de l'intervalle acceptable du facteur de vérification. Donc, ces indicateurs éprouvent de nombreux problèmes de qualité de données en termes des attitudes ou les indicateurs de prise en charge. Voici, s'il Diapo. te plaît. Il nous reste juste 15 minutes. Il faut Mmh. pas trop rentrer dans les détails. Les diapositives, les gens peuvent les lire par eux-mêmes. OK. Voilà. OK, merci. Merci. OK. Donc, c'est le même constat également que nous faisons aussi au niveau du district d'Agnibilicro, où les indicateurs de prévention rencontrent l'intervalle de confiance acceptable et les autres éprouvent d'énormes problèmes de qualité des données. En termes de. À Daoko, c'est également le même constat par rapport à les attitudes. Diapo. Ici, ça traduit un peu les typologies d'erreurs. On voit qu'en général, pour les indicateurs de prise en charge du PALU, on a toutes les catégories d'erreurs, thème d'erreurs arithmétiques, les sources de données manquantes au moment de l'élaboration du rapport, au moment même de la visite, et puis des problèmes du non-respect des directives. Diapo. Alors, quel constat nous avons fait avec l'utilisation de cet outil digitalisé? On voit, comme on le disait, que les indicateurs de prévention ont une meilleure qualité de données que les indicateurs de prise en charge. On voit aussi qu'au niveau des établissements de premier contact, les ESPC, hein, aussi bien de type ruraux que urbains, n'est-ce pas, ont des données meilleures, de qualité de données que les CHR, les hôpitaux de référence, peut-être liés à leur volume d'activité. On s'est rendu compte aussi également de l'instabilité de certaines données, parce que la qualité de données qui varie d'une période à l'autre. Les points forts que nous avons pu rencontrer, nous avons pu avoir aussi après cette visite, c'est vraiment les intrants qui étaient disponibles sur les sites, les rapports SIG et des stocks de rapports qui étaient disponibles. Le remplissage était relativement correct. Au niveau des établissements de premier contact et surtout la promptitude qui était vraiment de mise. Diapo, please. Les points améliorés, comme on le disait, le problème d'archivage de certaines sources de données au sein de certains établissements sanitaires et, comme on le disait, les incohérences de données qui persistent dans le remplissage des registres. Et par moment, le faible remplissage. Please, diapo. Et l'autre problème majeur qu'on a rencontré sur les sites, c'est essentiellement la validation sur site des données du PALUDIS. Diapo. Quelles difficultés on a rencontrées dans l'utilisation de l'outil digitalisé? On s'est rendu compte que c'est seulement trois indicateurs qui peuvent être fait l'objet d'utilisation en utilisant l'application digitalisée MRDQA, contrairement à cinq indicateurs dans le fichier Excel. Et pour certaines personnes qui n'ont pas de tablette, ils éprouvent des difficultés dans la visibilité, quand vous avez des petits smartphones pour regarder le tableau de bord. Et une autre difficulté, c'est
les indicateurs qui n'étaient pas très souvent adaptés au contexte national pour pouvoir faire l'appariement des indicateurs nationaux avec ceux dans l'outil digitalisé. Et comme je le disais, le tableau de bord difficile à voir. Cette mission nous a permis de faire certaines recommandations, notamment de faire des efforts dans l'encadrement, le suivi et le bon remplissage des outils, primaires comme secondaires, de faire la sensibilisation auprès des prestataires de santé à la notion de redevabilité pour une certaine culture de l'information et faire toujours le plaidoyer pour maintenir les acquis d'amélioration de la qualité des données. Diapo, please. Toujours au niveau district, c'est vraiment de faire la promotion du respect des directives et de soutenir l'archivage des sources de données et conduire des validations internes de données. Diapo, please. Au niveau établissement de santé, c'est vraiment faire le plaidoyer auprès des prestataires au bon remplissage des outils, primaires comme secondaires, suivre correctement les directives de prise en charge, avoir fait des efforts dans l'archivage des sources primaires et secondaires au sein de leurs établissements et coacher pratiquement tous les prestataires, surtout quand il y a des turnovers sur le remplissage correct dans les différents outils primaires. OK, donc c'est toujours de poursuivre des vérifications croisées dans le remplissage et aussi faire des validations des données et conduire en interne des missions de contrôle de la qualité des données, toujours au niveau site. Voilà, ici c'est quelques visuels de problèmes de qualité des données que vous pouvez rencontrer sur les sites dans les outils primaires. Là, il s'agit, comme pour le voir, des items non renseignés dans les registres qui OK, impactent la avançons, s'il cohérence vous des plaît. données. Avançons, s'il vous plaît. Diapo. Et là également, c'est d'autres problèmes de qualité de données, mais liés notamment au non-respect des directives du paludisme. Diapo. Voilà, c'est sur ce que je vous remercie pour votre aimable attention. OK, merci, Kwasi. Je pense qu'on a reçu. On va passer à la section réponses et questions. Je voudrais remercier les panélistes qui ont eu le temps de répondre à la plupart des questions. Je pense que les 17 premières questions ont été complètement répondues. Je vais certainement prendre la question 19 qui s'adresse à la Côte d'Ivoire. Quel est l'intérêt d'utiliser en même temps l'outil MRDQ et digitaliser le fichier Excel? Okay, merci Barry. Comme on le disait tantôt, comme Soyez concis, il nous reste juste 7 minutes. OK? c'est la première édition de l'utilisation de l'outil, nous avons privilégié les deux pour envisager s'il y a des pertes éventuelles de données. OK, la question suivante, c'est toujours pour la Côte d'Ivoire. Comment expliquez-vous, je pense que c'est une question relativement. Comment expliquez-vous que le nombre de cas de paludisme simple soit supérieur au nombre de cas suspects? Bon, c'est le problème de qualité des données. Je pense qu'on peut peut-être passer à la question suivante. Est-ce que la vérification des données entre sources primaires et secondaires suit la cascade définie au préalable du nombre de cas suspects? Je n'ai pas compris la dernière partie de la question, mais. Je peux prendre la première partie. Est-ce que la vérification des données entre sources primaires et secondaires suit la cascade définie? Oui, Barry. Bathily ou Oui, Eugène? j'ai répondu à la question. Je pense qu'il veut savoir si le nombre de cas suspects doit être inférieur ou doit être supérieur ou égal au cas testé. Cas testé supérieur ou égal au cas confirmé, ainsi de suite et tout ça. J'ai un peu déjà mis la réponse en disant au niveau du Mali, dans le 10-2, il y a cette règle qui est là. Mais pour la mise en œuvre du MRDQE, ce contexte ne nous rend pas parce que là, on veut juste faire une vérification d'un indicateur entre les données du RMA, du DHSO ainsi que de la source primaire. Et donc là, ça ne prend pas en compte ça dans le MRDQ, mais plutôt dans le DHSO. Merci. Ok, la question 18 est relative, elle vient du Cameroun. Il demande, est-ce qu'on peut utiliser
Dans le cadre d'une recherche indépendante, on peut utiliser l'outil en partenariat avec le ministère de la Santé ou bien on doit obligatoirement faire la mise en œuvre à travers le ministère. Je vous laisse répondre et puis je pourrai compléter. Bon, apparemment, il n'y a pas de réponse. Je pense qu'on peut l'utiliser à titre individuel, mais on ne peut pas le visualiser sur une plateforme nationale. Si vous devez le faire au niveau de la plateforme, vous devez absolument collaborer avec le système d'information sanitaire au niveau national pour qu'il vous donne l'accès et que les choses soient relativement bien installées. Mais sur une tablette, vous pouvez certainement le visualiser, mais pour votre propre utilisation. Je pense qu'on a couvert la plupart des questions. Il nous reste 4 minutes. Je voulais personnellement poser une question à l'ensemble des panélistes. Je sais qu'il y avait beaucoup de choses à partager. Vous avez dû faire des options. Mais il m'a semblé qu'un point important a été omis par l'ensemble des panélistes. Il s'agit des plans d'amélioration de la qualité. Parce que l'objectif, c'est non seulement améliorer les aptitudes du personnel, mais les aider à identifier les problèmes, mais à résoudre ces problèmes. Vous avez plutôt mis l'accent sur les problèmes identifiés. Il n'y a pas eu. Est-ce que l'un d'entre vous peut au moins élaborer sur les étapes que vous suivez dans le plan d'amélioration de la qualité pour l'audience? Je peux? Oui, vas-y. Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait posé cette question, parmi les questions qui demandaient comment est-ce que nous avions pu résoudre un peu le problème de feedback. Au niveau du Mali, pour les feedbacks, nous, qu'est-ce que nous faisons? Dès que nous finissons la collecte des données, nous avons déjà les résultats au niveau de la tablette. Donc, on réunit tous les agents de santé qui travaillent au niveau de ce CSCOM-là ou de la formation sanitaire visitée. Et en plus de l'ASACO, c'est-à-dire l'équipe dirigeante administrative au niveau des choses, pour discuter des problèmes que nous avions rencontrés et chercher à savoir le pourquoi de ces erreurs, quelles sont les causes qui peuvent sous-tendre ces erreurs. Et en fonction de ces explications données, ensemble, on essaie de trouver les solutions pour améliorer la qualité des données. Parce que souvent, il y a certaines solutions qui, l'agent de santé ne peut le résoudre, peut-être qu'il va nécessiter peut-être des dépenses, un engagement financier. Et il faut que l'ASACO soit là-dedans. Donc, ensemble, on fait des propositions de solutions et on met des deadlines ensemble. Et ça, c'est partagé avec le CESCOM ainsi que l'ASACO. Et après notre retour au niveau du district, toutes les formations sanitaires que nous avons vues, ces informations aussi sont partagées aussi avec l'équipe du district. Et après, quand on vient aussi au niveau régional, le retour des équipes au niveau régional, le feedback de tous les districts, parce que lorsqu'on sort, c'est souvent deux, trois districts que nous visitons. Et donc, les résultats de tous ces districts aussi sont aussi partagés et avec la région. Il faut noter aussi que souvent, certaines recommandations nécessite l'implication du niveau régional ou soit du niveau district. Donc, partager avec chacun de ces acteurs-là nous permet de trouver des solutions aux problèmes rencontrés sur le terrain. Merci. Les autres peuvent peut-être ajouter d'autres Bon, choses. le temps nous manque un tout petit peu, mais je crois que le plus important à retenir sur le plan d'amélioration, c'est qu'il faut identifier les grandes faiblesses. Une fois que les faiblesses sont identifiées, il faut des approches de solutions conjointes entre le superviseur et l'agent supervisé et faire en sorte que la faiblesse soit bien identifiée, un responsable soit identifié, un timeline, un temps de résolution du problème soit fixé. Et donner l'approche méthodologique pour que la prochaine fois on puisse le faire, disons, vérifier un peu dans quelle mesure l'agent supervisé a adressé les faiblesses qui étaient consignées dans le plan. Il peut y avoir plusieurs faiblesses dans le même rapport, mais c'est les plus grosses faiblesses qui vont dans le sens de l'amélioration de la qualité globale. Je pense qu'il nous reste pratiquement 1 minute. On va davantage remercier l'audience pour les questions. Il y a eu beaucoup de questions. Très fort heureusement,
La plupart des questions ont été répondues et je pense que les panélistes restent disponibles pour des échanges plus approfondis si vous le souhaitez. Et aussi, je crois que vous avez appris énormément de choses dans cette session qu'on a eue ensemble. Je crois que le travail ne fait que commencer. Cet outil est un outil pratique qui permet surtout de collecter plusieurs supervisions ensemble, qui permet de voir dans quelle mesure on évolue dans le temps. Et je pense aussi la visualisation est un appui très certain, particulièrement aux décideurs, parce que les goulots sont presque évidents quand on voit la visualisation. Cela dit, je vous remercie tous pour votre attention et suivez, continuez à suivre Chissou dans les médias sociaux. Vous avez ici les liens appropriés. Vous pouvez scanner le QR code hein, pour être au courant de ce que Chissou fait dans les pays où il est représenté. Encore une fois, merci aux panélistes. Merci à l'équipe technique de communication qui nous a supportés, sans laquelle ce travail n'aurait pas été à hauteur de souhait. Et encore une fois, merci pour le temps que vous avez consacré. J'espère que vous avez appris énormément de choses. Merci et à très bientôt. Merci.